Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ici ce soir pour cette cérémonie du Grand Prix Syntech 2023. Je m'appelle Bruna Basvini, je suis journaliste économique et je suis ravie de co-animer cette soirée en compagnie de Pierre-Henri de Menton, qui est directeur de la rédaction de Challenge et partenaire média de cette cérémonie, de cet événement. Alors, je vous rappelle que pour ceux qui souhaitent tweeter, vous pouvez le faire tout au long de la soirée avec le hashtag Grand Prix Syntech Conseil. Sans plus tarder, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène David Mahé. Vous êtes président de Syntech Conseil. David, c'est votre premier Grand Prix. En tant que président de Syntech Conseil, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous tous ce soir? Je souhaite déjà vous souhaiter, mesdames et messieurs, chers amis, la bienvenue pour ce grand moment de la profession. C'est la quatrième année que Syntech Conseil organise ce Grand Prix, donc il s'installe peu à peu. Et votre présence nombreuse ce soir m'approuve que l'intérêt pour le Grand Prix est de plus en plus important. Vous noterez également que par rapport à l'an dernier, on a beaucoup progressé. On était l'an dernier à l'Automobile Club de France, pardon, qui était une salle réservée à des hommes. Et là, cette année, on est à l'apostrophe. Et là, mesdames, vous êtes les bienvenus. Donc la profession a vraiment beaucoup progressé. Bravo. Quelques mots également pour vous dire que la profession du conseil, évidemment, doit toujours démontrer son impact, son utilité. On est parfois une profession un peu décriée, notamment par les gens qui ne nous connaissent pas. Et le Grand Prix Syntech Conseil, c'est l'occasion justement de valoriser votre utilité, votre impact, votre capacité à piloter, accompagner, orienter les transformations du pays, des entreprises. On voit bien qu'on intervient sur des sujets autant économiques que sociaux, sociétaux, qu'on est finalement quelque part partenaire des transformations du travail et des organisations. Donc j'espère que cette cérémonie nous permettra de montrer et de regarder justement et d'admirer les belles réalisations de nos cabinets avec nos clients. Merci à tous ceux qui ont participé à ce Grand Prix, donc même ceux qui n'ont pas forcément été élus comme lauréats. Merci également aux membres du jury qui ont participé donc à la sélection des projets. Et merci à tous de votre participation active et passez une très très bonne soirée. Merci. Merci David. Alors, nous allons remettre ce soir 16 récompenses et bien sûr le Grand Prix Syntech Conseil 2023. Alors, en quoi consistent ces trophées, ces récompenses? Eh bien, ce sont des prix or ou des prix argent. Et puis, depuis cette année, il y a également des prix Challenger qui récompensent des projets d'envergure différente. Nous allons recevoir l'ensemble des lauréats or et argent sur cette scène pour présenter les projets récompensés en 2023. Et chaque fois, nous aurons le plaisir d'accueillir sur scène le cabinet de conseil ou d'études ainsi que son client afin qu'il nous partage en quelque sorte cette expérience et les projets qui ont été mis en lumière par les jurys. Puisque ces récompenses, bien évidemment, sont attribuées par un jury professionnel qui s'est réuni en deux temps, c'est bien ça Pierre-Henri, en octobre Ça s'est fait en deux temps. Une première session pour sélectionner effectivement les prix argent et or. Et ensuite, une deuxième session avec des auditions, la plupart du temps en présentiel. Merci aux candidats qui se sont prêté à ce jeu, qui n'est pas évident, aux membres du jury. Et figurez-vous, j'étais comme une petite souris dans le jury. J'ai appris... Et avec de la fumée blanche à la fin. Beaucoup de choses avec de la fumée blanche. Alors, comme on est... moi, je ne suis pas un professionnel, mais vous l'êtes. Un mot de méthodologie sur les critères de sélection. Donc, il y en a quatre. La démonstration d'une transition structurée et durable pour l'entreprise et ou l'institution, client. La démonstration de la mise en œuvre d'innovations sur le plan organisationnel, technique, social, sociétal et humain. Troisième critère de sélection, la présentation de résultats probants pour l'entreprise, les clients, les parties prenantes. Et enfin,
Quatrième point, l'adéquation entre les résultats obtenus et les objectifs fixés, hein, ce qui est quand même assez important pour le client, quelle que soit l'échelle du projet soumis à compétition. Donc voilà, merci encore à tous les membres du jury que vous voyez là pour tout le temps qu'ils ont passé. Et en tant que partenaire média, je voulais vous remercier, David, de la confiance que vous faites à Challenge. Bon, Pierre-Henri, peux-tu te mettre un peu plus dans la lumière, s'il te plaît ? Voilà. Donc, on va tout de suite passer à la révélation du palmarès avec cette première catégorie qui s'appelle, je vous le rappelle, transformation des organisations. Donc, on démontre, le jury s'attache à démontrer l'impact d'une stratégie élaborée par une société de conseil ou d'études sur une transformation structurée et durable. Le prix argent dans cette catégorie est décerné à Bearing Point et Cdiscount sur la mise en œuvre d'une stratégie de diversification d'un acteur du commerce, du e-commerce français en moins de 5 ans. Je vois déjà... je les vois arriver. J'annonce l'arrivée d'Éric Dolady et de Thomas Métivier. Donc, voilà. Bienvenue. Bravo. Eh bien, je vous remercie. Et voilà. Nous allons vous remettre vos trophées. Voilà. Est-ce que vous voulez partager ce moment d'émotion ? Je vais d'abord primauter à moi. Primauter à Thomas, DGT Discount. Bonjour à tous. Alors, effectivement, c'est un projet qu'on a mené il y a quelques années. On avait, donc, chez Cdiscount, on est évidemment connu pour notre activité de e-commerce. On est le leader français sur ce segment-là. Et en fait, on a eu il y a quelques années une question de ce qu'on a développé pour nous, avec la chance d'avoir la taille critique pour le développer. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces actifs, notamment technologiques, pour proposer des services, proposer des solutions à d'autres distributeurs, d'autres e-commerçants. Donc on a travaillé avec Bearing pour faire un peu un état des lieux de ce qu'on avait construit, regarder le positionnement par rapport au marché, les éléments différenciants de ce qu'on avait fait, la capacité aussi à l'adapter à des sites enfin, du coup plus petits que nous. Et en fait, on a identifié un certain nombre d'opportunités, et notamment, ça faisait écho à notre enjeu stratégique, qui est comment est-ce qu'on agrège de plus en plus d'effets d'échelle, d'effets de taille, notamment autour des enjeux de la marketplace. Et notamment, ça a débouché sur la création de notre filiale Octopia, qui offre et propose des solutions de marketplace à d'autres distributeurs, d'autres e-commerçants à travers le monde. Et en fait, Bearing nous a accompagnés une deuxième fois, parce qu'une fois qu'on avait lancé l'idée, qu'on avait signé les premiers clients, il a fallu mettre en œuvre. Oui. Et donc, on a rappelé Eric et ses équipes pour nous aider à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, on a la chance d'accompagner des leaders dans pas mal de pays dans le développement de leur marketplace, y compris en France. Et c'est une diversification qui est réussie avec aujourd'hui plus de 400 personnes dans nos équipes Octopia. Merci Thomas. Je peux vous demander d'être, faire un peu plus bref. Moi, je vais être très bref. C'est super. Merci. Moi, je vais être très bref. Je veux dire, surtout que dans nos métiers, c'est avant tout des victoires de groupe, c'est des victoires d'équipe. Et donc, que ce soit les équipes Cdiscount, Octopia ou Bearing, avec la multiplicité de nos compétences. Et puis enfin, dans notre métier, ça fait des décennies que je le pratique, quand on est capable d'accompagner un client depuis l'idée jusqu'à sa mise en œuvre, c'est ça quand même qui est pour nous le cœur et ce qui nous fait vraiment plaisir. Voilà. Magnifique. Encore plus pour ce soir. Bien, on les applaudit bien fort et je vous invite à vous rapprocher du photographe pour la séance photo. Alors on va passer, on est toujours dans la catégorie transformation des organisations. Il faut bien montrer votre trophée, hein, monsieur. on va passer au prix d'or. Et figurez-vous qu'on a deux prix ex aequo pour le prix d'or dans cette catégorie. Donc j'ai le plaisir d'accueillir un premier membre du jury, Charles Guilleux, qui est directeur du pilotage et de la gestion chez BPI France. Alors Charles, c'est à vous que revient l'honneur d'ouvrir l'enveloppe et de nous annoncer à qui a été décerné ce premier prix d'or de la soirée. Alors j'ai le plaisir de vous annoncer que le premier prix or est décerné à Sopra Steria Next et le ministère de la Justice pour la procédure pénale numérique. Alors j'appelle Valérie Crépin, qui est manager practice défense et sécurité chez Sopra Steria Next, et Guillaume Bigot, qui est partenaire conseil défense et sécurité chez Sopra Steria Next.
Bravo à tous les deux. Alors Charles, pourquoi le jury a choisi cette réalisation ? Alors, je vais peut-être juste rappeler en quoi consiste voilà, la proposition de valeur hein, pour tous nos interlocuteurs et interlocutrices. Donc, c'est une solution de digitalisation des actes d'une procédure pénale. Voilà, donc c'est une vraie rupture. Le jury a considéré que c'était une vraie rupture et une vraie stratégie de changement avec une industrialisation massive, puisque voilà, ça va être déployé dans toutes les juridictions pénales en France, permettant de gagner du temps et évidemment de l'efficacité dans le parcours judiciaire. Alors, ce qui a plu au jury, c'est l'innovation, la transformation du quotidien des Français peuvent être concernés par ces procédures, et puis aussi pour les acteurs de la chaîne pénale. Et vous nous avez éclairé sur le rôle de Vagmestre, qui nous a beaucoup intéressé. Ah oui. Voilà, vous en parlez peut-être tout à l'heure. Et puis, c'est des objectifs clairs, un test sur une première juridiction et puis ensuite déploiement sur les 80 autres existantes avec une vraie conduite du changement auprès des acteurs de la procédure pénale, les greffiers, les avocats, les vagmestres, les policiers, etc. Voilà, donc on est ravis que cette solution puisse transformer le fonctionnement du ministère de la Justice et la vie des justiciables. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors peut-être, quand vous avez fait votre audition, vous étiez avec un magistrat qui était votre client, qui nous a expliqué ce que c'était qu'un vagmestre. Peut-être, c'est bien de le rappeler, puis de nous expliquer en deux mots en quoi consiste cet énorme chantier. Hein. Absolument. En fait, il faut s'imaginer que la procédure pénale, c'est énormément de papier. Vous avez sans doute déjà tous en tête oui. Des piles de dossiers à côté des avocats quand vous voyez les journaux télévisés. Et donc, le rôle du vagmestre qui avait été expliqué par le magistrat avec qui on travaille, c'est tout simplement de porter des procédures du ministère de l'Intérieur, donc des forces de sécurité intérieure qui sont des commissariats, des brigades, et il les transporte, lui il avait expliqué avec des sacs actions, il les transporte vers le tribunal judiciaire pour qu'il puisse avoir connaissance de ces procédures. Et derrière, pour les juridictions, c'est un gros travail de récupération des procédures, de tri, de compostage, etc. Et c'est toutes ces tâches qui finalement sont pas très valorisantes et qui permettent pas aux greffiers de se concentrer sur leurs vraies valeurs qui sont supprimées grâce à la dématérialisation. Guillaume, peut-être un mot sur la mission. Ça fait combien de temps que vous êtes dessus ? On a débuté en 2019, donc ça va faire maintenant quasiment 4 ans hein, qu'on accompagne la direction de programme. Alors en effet, le magistrat qui a pitché avec Valérie ne pouvait pas être présent ce soir. Moi, j'avais peut-être trois choses à dire. La première, c'est qu'en effet, c'est un prix qui vient récompenser un projet très ambitieux, interministériel. C'est quand même une particularité, hein, puisqu'on a cité le ministère de la Justice, mais comme vient de l'indiquer Valérie, ça se fait en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Et puis c'est un projet qui est au cœur des enjeux du ministère de la Justice et de l'Intérieur. Et je rappellerai les mots du garde des Sceaux, hein, c'est qui veut que la justice soit plus rapide, plus protectrice et plus proche des citoyens. Le deuxième, j'en profite, hein, ce prix vient récompenser le travail et l'engagement des équipes au quotidien auprès de ce ministère. D'équipes assez nombreuses, dont une certaine partie est présente dans la salle, pilotée par Valérie, Héloïse et Laure. Et puis le troisième, je voudrais saisir cette occasion pour faire de ce prix peut-être un tremplin pour nous, les équipes, vers plus d'audace, plus d'engagement toujours au quotidien auprès de ce client, puisque la route est encore longue. La transformation, elle n'est pas encore complète. Il faut encore déployer beaucoup de ministères, enfin beaucoup de tribunaux judiciaires, beaucoup de cours d'appel, également d'autres filières que la filière correctionnelle. Et donc, on a encore un bon bout de chemin à faire avec le ministère. Et donc, il nous faut encore un peu. Eh bien, bonne chance, bonne route. Je vous invite à prendre la photo. Bravo. Avec Charles et vous. En tout cas, félicitations. Alors, on a un deuxième prix or. Donc, pour remettre le deuxième prix, j'ai le plaisir d'accueillir un autre membre du jury, Véronique Dubois, directrice de la communication de l'APEC. Bienvenue. Alors, l'enveloppe. Voilà. Ah, c'est mieux qu'il y ait une enveloppe. Alors, nous sommes impatients de découvrir à qui revient ce prix. À
Alors, le deuxième prix or est décerné à Proudfoot et Eramet pour Eramet Production System. Merci Véronique. Nous accueillons donc Angus McLean, DG France et partenaire de Proudfoot, et Denis Alvarenga, directeur transformation expérience opérationnelle du groupe Eramet. Alors, Véronique, dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à récompenser ce projet ? Alors, parmi tous les projets sélectionnés, c'est vrai que ça a été difficile, mais Eramet, c'était vraiment un exemple d'une belle réussite dans une organisation complexe, internationale évidemment. C'est la mise en place de ce nouveau process, vraiment un nouveau système de production avec des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de travailler. Vous nous avez montré qu'il y avait des résultats très probants, puisqu'il y avait des gains de productivité et de performance mesurés dans un temps relativement court, finalement. Donc, on a senti aussi une belle collaboration entre votre cabinet et la direction d'Eramet. En tout cas, votre présentation à l'oral était très, très challenging, j'allais dire. Était très, en tout cas, efficace. Donc, voilà pourquoi. Et bravo encore. Merci. Je vais demander à Angus et Denis de me dire un mot sur ce prix. Voilà. Comment est-ce que vous avez été transformé en quelque sorte ? C'est une question difficile. Donc, je dirais, Eramet, c'est vraiment le premier minier français. Maintenant, c'est une entreprise qui a vraiment tout pour la transition électronique, digitale, environnement. Tout est là-dedans. Donc, c'était très intéressant pour ça. Et donc, comme nous, on a travaillé beaucoup dans le secteur minier mondial avec les top 10. On a traduit ça pour les remettre. Et donc maintenant, je pense qu'ils ont le meilleur système de production mondiale au niveau minier. Carrément. Donc Denis, vous êtes d'accord, vous avez le meilleur système. Je suis 100% d'accord. Cet système a vraiment nous aidé à battre des records de productivité et avec zéro investissement. Ce qu'on a fait, c'est de changer la culture opérationnelle de nos collaborateurs, surtout au Gabon. Et je donne 100% de crédit à nos collaborateurs gabonais qui font les matières qui ont, depuis après, on transforme dans les métaux pour la transformation énergétique du monde. Et Eramet, c'est un acteur majeur dans cette transformation à échelle mondiale. Très bien. Eh bien, merci. On vous applaudit à nouveau et on vous invite à aller prendre la photo. La photo. oui, voilà. Très bien. Pierre-Henri, il faut que tu avances un peu. Voilà. Alors, on va passer à la prochaine catégorie, c'est innovation et insights. Dans cette catégorie, le jury nous dit qu'il s'est attaché à récompenser des projets de recherche et de mise en œuvre d'insights par une société de conseil ou d'études qui permettent la mise en place d'une stratégie de rupture et ou d'innovation pour son client. Deux prix argent pour cette catégorie. Le premier prix argent est décerné à TNP Consultant et Pernod Ricard pour un dispositif d'étiquette digitale pour une information consommateur plus responsable. On accueille pour recevoir ce prix Vincent Roqueta, qui est directeur chez TNP, et Nicolas Barret. Vous êtes Head of Quality and Compliance de Pernod Ricard. Messieurs, bravo. Vous avez 2 minutes, nous expliquer un peu voilà. Ce que vous et avez... Restez, et restez dans la lumière, s'il vous Qu'est-ce plaît. Qu'est-ce que c'est que ces étiquettes pour rendre le consommateur plus responsable ? Dans un premier temps, bonsoir à tous et merci pour cette récompense. Merci au jury. Je vais vous dire quelques mots donc, sur e-label, donc, en quoi ça consiste, quelques volumes, un peu l'ampleur de ce projet. Parce que c'est quand même un projet qui était à la fois ambitieux et complexe. Donc c'est une solution digitale via un QR code qui est apposé sur les contre-étiquettes et qui a vocation donc à informer le consommateur sur les produits du groupe et de diffuser des messages sur la consommation responsable. Cela dans le monde entier. Et donc ça inclut une coordination et un réétiquetage sur l'ensemble des produits. Donc on parle de pas moins de 90 000 produits qui ont dû être déployés et mis à jour en l'espace de 2 ans. Cela dans 160 pays
et ça concerne plus d'un milliard de bouteilles vendues par an. Donc ça, en termes de volumétrie, c'est assez gros. Considérable. Et de projets complexes pour un autre prisme. Donc c'est, il a fallu coordonner plus de 100 filiales différentes, donc chacune avec sa propre organisation, avec un niveau de maturité, notamment sur le prisme data, le prisme supply chain, qui était tout à fait divers. Et également, la prise en compte d'autant de réglementations spécifiques locales pour être compliant avec les distributions locales. Et donc, je passe la main à Nicolas. Alors, moi, je représente Pernod Ricard. Donc, effectivement, bah, c'est un projet ambitieux parce qu'en fait, il y a 2 ans, on a dit, on va faire ça. Mais c'était une feuille blanche. Donc, on a dit comment on va structurer, comment on va avancer. Donc, déjà, TNP Consultant nous a accompagnés depuis le début. C'est-à-dire qu'on est parti, on a construit la solution. On a défini notre feuille de route, notre délai, avec l'ambition de notre comité exécutif qui était de le faire en 2 ans. Donc très ambitieux en termes de timeline. On a réussi en fait, et je voudrais souligner à force de TNP Consultants sur cette partie, à engager toutes nos parties prenantes. On a un groupe décentralisé, beaucoup de filiales, différentes tailles, différents métiers, donc légal, affaires réglementaires, qualité, supply chain. Donc ils ont vraiment fait un travail fantastique à ce niveau-là. Ils ont eu une très forte équipe projet. C'était une équipe projet réduite en ressources, mais très efficace. Et ils ont su faire vraiment, à partir de vraiment, beaucoup de pragmatisme, beaucoup d'efficacité. C'est ce que j'ai apprécié dans le travail avec eux. Ils ont fait beaucoup, beaucoup d'animations en soutien. Et le résultat, c'est qu'on a quand même une solution qui est déjà live en fait en Europe depuis 1 an. On continue le déploiement opérationnel parce que maintenant, c'est mettre. On a développé toute l'information, tous les QR codes. Maintenant, c'est les mettre sur nos étiquettes. On a déjà plus de 60% du portfolio qui est compliant. Et on a l'objectif de finir le déploiement sur notre fiscal, donc à fin juin de l'année 2024. Et je voulais vraiment remercier TNP pour consultant pour le boulot fait. Voilà, bravo à tous les deux. Un projet mondial, impact, et qui avait l'air très compliqué dans un temps très réduit. En tout cas, félicitations. On laisse prendre la place pour la photo. Ouais. Oui. Bon, le deuxième prix argent est décerné à Wavestone et l'Agence nationale des titres sécurité, ANTS, pour potentiel pour l'implémentation de l'identité numérique en Europe. Alors, pour recevoir ce prix, nous accueillons Grégory Jeudon, partenaire secteur public Wavestone, et Pascal Sauvage, directrice adjointe de l'ANTS. Bienvenue. Bonsoir à tous, je suis vraiment ravi d'être ici avec Pascal Sauvage et je vous remercie pour ce prix au nom de Wavestone et au nom de toutes les équipes qui sont intervenues sur Potential. On est vraiment très fiers d'accompagner ce projet. Comme vous l'avez indiqué, c'est un projet qui vise à implémenter une identité numérique à l'échelle européenne. C'est vraiment un projet magnifique. Ça va permettre aux citoyens européens de disposer de services inégalés en simplifiant, sécurisant leurs démarches, que ce soit auprès d'administrations publiques ou de structures privées, puisque grâce au wallet France Identité, on pourra justifier très simplement et directement son identité avec son smartphone. Donc ça permettra un champ des possibles assez immense de justifier son droit à conduire lors d'un contrôle routier, faire des démarches administratives, signer électroniquement un document, ouvrir un compte bancaire, etc., etc. Et puis c'est complètement inédit puisque le consortium qui a été monté regroupe 140 partenaires et puis regroupe également 18 pays de l'Union européenne ainsi que l'Ukraine. Voilà, Pascal, je vous passe peut-être la main pour ajouter quelques mots. Merci beaucoup. Merci Grégory. Au nom de Anne-Gaëlle Baudouin, la directrice de l'ANTS, pardon pour ma voix, et de Florent Tournoy, qui est le directeur du programme France Identité, je vous remercie vivement pour ce prix. L'agence est effectivement très heureuse de voir saluer ce programme qui a été sélectionné il y a maintenant 1 an par la Commission européenne et qui fait l'objet d'un financement de 16,9 millions d'euros. Donc c'est grâce à vos efforts notamment aussi qu'on a pu être sélectionné. Grâce à ce projet, comme vous l'avez dit, on peut développer un certain nombre de cas d'usage de l'identité numérique. Et en adossant l'identité numérique à l'identité physique, on permet à la fois de faciliter les démarches et de favoriser la lutte contre la fraude,
contre l'usurpation d'identité. Donc pour nous, c'est essentiel d'avoir cette vision du parcours citoyen dans l'ensemble de ces démarches numériques essentielles. Voilà, donc avec les États membres, avec l'ensemble des membres du consortium que vous avez évoqué, on est très attachés au caractère à la fois multisectoriel et pluridisciplinaire de ce programme de portefeuille européen d'identité numérique. Très bien, ben merci à tous les deux et encore bravo. On les applaudit et je vous laisse prendre place pour la photo. Alors, c'est impressionnant, le secteur public se bouge, se absolument, transforme. Absolument. Alors, maintenant, on va passer au prix d'or. Et là, je vais laisser travailler un autre membre du jury, qui est Cécile Montier, qui est directrice éthique sociale et promesse employeur chez Bouygues Télécom. Bonjour, Cécile. Groupe Bouygues, pardon, je vous ai réduit, mais. Bouygues Télécom aussi. Alors, Cécile, c'est vous qui allez ouvrir l'enveloppe. Oui. Donc, le prix or est remis à Soprasteria Next et le Pôle emploi, à nouveau le service public. Bravo. Alors, je vais appeler Artem Koulayev, qui est manager secteur public et solidarité chez Soprasteria Next, et Yann Dodin, qui est responsable département innovation de la DSI de Pôle emploi. Voilà. Bonjour à tous les deux. Alors, Cécile, oui. Dites-nous sans tout dévoiler un peu ce que c'est cet énorme projet service public. Alors, ce qui nous a beaucoup intéressé et frappé dans votre projet, c'est que vous avez répondu à un enjeu majeur qui est la problématique des chercheurs d'emploi dits allophones, c'est-à-dire qui parlent mal français ou parlent pas du tout français. Vous nous avez expliqué que c'est 10% d'entre eux, donc c'est beaucoup. Pendant longtemps, le Pôle emploi a cherché des solutions de traducteurs physiques et finalement, ça ne fonctionnait pas. Et ce qui nous a beaucoup plu, c'est que vous avez créé une solution agile, très rapidement, vous allez nous dire probablement en quelques mois, déployée progressivement avec des solutions à la fois sécurisées et open source qui permettent aux personnes qui recherchent des emplois et à leurs accompagnants de Pôle emploi de communiquer chacun dans leur langue très facilement, puisque vous avez agrégé le meilleur de Google Trad, de DeepL, enfin toutes les meilleures solutions. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que visiblement, c'est très facile en un clic d'utiliser ces applis. Ça fonctionne en distanciel, en présentiel. La personne qui cherche un emploi clique sur un simple drapeau. Vous allez avoir accès à 130 langues, donc c'est énorme. Et à l'heure où on a de plus en plus de migrants ou de personnes qui parlent mal français et on recherche des compétences sur des emplois qui sont sous tension, c'est essentiel. Ce qui nous a plu également, c'est que comme c'est une solution open source, vous la donnez déjà à d'autres services publics et pourquoi pas demain à des associations. Donc c'est vraiment une solution d'intérêt général que vous avez construite. Donc un grand bravo. Et du coup, ça nous a aussi donné envie de vous donner notre coup de cœur, parce que c'est l'application qui nous a le plus touchés d'un point de vue humain et sociétal. Voilà, bravo à tous les deux. Merci beaucoup. Je tenais à vous remercier de ce prix qui témoigne de la nature innovante de ce projet. Et cette solution, comme vous le disiez, c'est une vraie innovation. Elle a transformé la manière dont Pôle emploi accueille les personnes qui ne parlent pas la langue française. Chacun peut parler et entendre dans sa propre langue. Et ça, ça change tout lorsqu'on est confronté à ce type de population. On est parti d'un proof of concept et aujourd'hui, l'application est déployée dans l'ensemble des agences de Pôle emploi. C'est plus de 40 000 agents qui peuvent accéder en quelques clics à l'application. Le déploiement a été vraiment viral. Il s'est produit dans un moment au début de la guerre en Ukraine. Et l'application a eu un réel impact sur la manière dont les déplacés étaient accueillis. Et c'est quelque chose qui me rend particulièrement fier, puisque je suis moi-même d'origine ukrainienne. Mais notre impact ne s'arrête pas là. Et aujourd'hui, grâce à l'Open Innovation, d'autres organisations expérimentent sur le terrain cette solution avec notre appui. Et les résultats sont plutôt prometteurs. Donc en résumé, ce que nous avons construit, ce n'est pas uniquement une solution de traduction, mais un pont vers l'avenir, un avenir où,
où chaque voix, peu importe sa langue, est entendue et comprise. Et c'est un avenir qu'on est fiers de construire avec Pôle emploi. Et Yann, je te remercie pour ta confiance. C'était une vraie fierté d'opérer cette transformation avec toi. Et je remercie également l'ensemble des personnes qui ont participé au succès de ce beau projet innovant et qui nous ouvre vers le monde. Yann Dodin, un petit mot. Un grand merci. Un grand merci à Supra, un grand merci à toi aussi, Artem, pour ton engagement qui a permis de porter ce projet. Vraiment, on est sur un enjeu d'inclusion, un enjeu d'équité de service, de pouvoir délivrer le service à l'ensemble des citoyens, des usagers. Et on est vraiment sur un besoin qui était remonté de l'ensemble d'un grand nombre d'agences avec des solutions du marché qui sont connues mais qui ne répondaient pas à l'ensemble des enjeux. L'enjeu, évidemment, c'est pour des personnes allophones qui ne parlent pas du tout le français ni l'anglais et qu'on ne peut pas accueillir. Mais on a aussi un enjeu de maîtrise de l'écrit. Souvent, on peut avoir aussi un enjeu de maîtrise du numérique. Donc pour nous, vraiment, la création de cet outil, c'était créer un outil le plus simple possible et qui puisse permettre d'installer une relation avec le demandeur d'emploi en se rendant la plus invisible possible et en faisant un onboarding le plus simple possible. Donc pour nous, là aujourd'hui, on a répondu à ce besoin. On a pu le déployer effectivement très très rapidement, de manière très accélérée, grâce à l'engagement de l'ensemble des agences, grâce à ton engagement aussi, Artem, à l'engagement de Sopra et à l'appui de l'ensemble des équipes aussi de la DSI. Donc c'est une belle réussite de pouvoir faire un déploiement qu'on avait prévu sur plusieurs mois en quelques semaines en réponse aux besoins liés à la guerre en Ukraine. Un autre enjeu aussi pour nous, c'était de ne pas construire ce type de solution pour Pôle emploi. Concrètement, on construit pour les communs numériques, pour l'ensemble du service public. Ça avait une pertinence à ce moment-là. On a pu tester chez d'autres acteurs du service public. Ça a d'autant plus de pertinence aujourd'hui avec France Travail. Et là, aujourd'hui, on est sur la prochaine étape pour Trad Emploi avec un déploiement chez d'autres acteurs et potentiellement aussi des nouvelles potentialités avec l'IA générative et les LLM qui nous permettent en fait de faire de la traduction de manière très, très performante et avec des modèles open source en autonomie. Bravo pour ce projet, sorte de pilote. Et on comprend mieux la dimension coup de cœur de ce prix, en plus. Oui, oui. Hein, et donc, vous êtes doublement primé, hein, Cécile le disait. Exactement. Donc, rarissime dans le palmarès. On va vous laisser prendre la photo. Et on va enchaîner, Bruna, avec une nouvelle catégorie. C'est la catégorie data, services et technologie. Le jury s'est attaché dans cette catégorie à récompenser la mise en œuvre réussie, vaut mieux, d'un projet mettant en avant la technologie. C'est logique. Et je vais vous annoncer donc le premier prix argent dans cette catégorie, qui est décerné à 366 et Shower pour Hexago Data, expertise du territoire. On accueille pour recevoir ce prix Sophie Renaud, qui est directrice des études de 366, et Cédric Magneron, qui est le CEO de Shower. Je crois qu'on dit Showier. 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 Comment on dit Showier. 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 Ah, ouais, d'accord. Bon. Ouais, ouais, mais j'avais raison. Bon, très bien. Voilà. T'avais raison. J'avais raison. Eh bien, vous avez un peu. C'est un peu abscon comme ça. Vous allez un peu nous expliquer de quoi il s'agit, ouais. La PQR, la presse quotidienne régionale. Et puis toujours la difficulté, en fait, avec les études d'audience qu'on a à disposition, qui sont souvent nationales, d'avoir cette granularité qui nous permet de descendre un petit peu et puis de démontrer la force de nos marques, et c'est vrai pour tous les médias locaux, à un niveau beaucoup plus granulaire comme celui de la commune. Eh bien, grâce à notre rencontre avec Cédric Magnereux, le CEO de Shower, eh bien justement, on a pu mettre en place, envisager en fait un système de modélisation des audiences en local, et assez révolutionnaire quand on a utilisé la géostatistique. Ça, il nous en dira peut-être quelques mots supplémentaires. Mais pour le coup, on a levé en fait tous les freins qu'on avait, et aujourd'hui, on est capable d'annoncer nos audiences à l'échelle de chacune des quelques 35 000 communes françaises. Donc c'est une vraie révolution, une vraie avancée pour notre média. Et puis c'est aussi une façon de pouvoir répondre aux attentes d'une granularité souvent de plus en plus importante du marché publicitaire. Et donc voilà, de calculer des performances d'audience à l'échelle désirée. Alors bravo, hein, parce que je vous recommande de regarder la carte là. Vous mettez des jumelles, mais vous voyez, ouais, c'est vraiment la granularité, hein, c'est incroyable. Donc, ouais.
Alors, comment est-ce que vous arrivez à... vous allez faire des, nous faire un cours de géodata. Géostatistique. En 40 secondes. Hein. Ouais. Donc, l'idée, je vais faire une analogie. Moi, je viens d'un domaine qui est complètement différent. J'ai travaillé pendant 20 ans dans l'industrie minière et pétrolière. Et donc, on utilisait ces techniques de géostatistique qui sont en fait des techniques cartographiques. Donc, à partir d'une donnée fragmentaire, typiquement des sondages miniers... Des puits pétroliers, on essaye de réaliser une cartographie d'un gisement. En fait. Et donc on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser ces algorithmes qu'on avait développés, nous, pendant 20 ans au sein d'une autre société, et essayer de les appliquer à des sondages, des données d'enquête, en fait, puisqu'on s'appuie sur des données d'enquête de Kantar, la CPM. Et ça, il se trouve que ça a très bien marché, ça a donné ce genre de carte, donc avec une précision. Ce n'est pas du pétrole. Très intéressant. Et ce n'est pas du pétrole, ni des. Mais on a cherché. En tout cas, bravo à tous les deux. Je vais vous laisser prendre la photo souvenir avec vos beaux prix argent. On les applaudit. Alors, Pierre-Henri, le deuxième prix argent dans cette catégorie est décerné à Celia by Bearing Point pour assurer un fort développement commercial dans le B2B sans augmenter le niveau de risque associé. Donc pour recevoir ce prix, nous accueillons Didier Loureau, directeur associé de Bearing Point, et Éric Dupuis, partenaire chez Bearing Point. Alors, dites-nous tout. Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Alors, avant de rentrer dans le détail de ce que nous avons fait, normalement, toutes les bonnes cérémonies commencent par des remerciements. Donc, je veux remercier le Syntec et le jury pour nous avoir cette récompense. Donc, merci à vous. Remercier également deux personnes importantes, Axel Paquer, la présidente de Bearing Point France, qui nous a beaucoup soutenus dans le développement de ce produit. Et puis également notre premier client et partenaire, Sonépar. Voilà, qui nous a accompagnés dans la conception et la mise en place de ce produit. Donc voilà pour la partie remerciements. Pour en revenir à Celia, qu'est-ce que c'est Celia et d'où vient Celia? Celia est née immédiatement après la crise du Covid, face à l'émergence et l'accélération, devrait dire, du commerce B2B. On s'est aperçu qu'il y avait deux sujets qui apparaissaient chez nos clients. Premier sujet qui était la fluidification de l'expérience client. Je pense qu'on a tous l'idée que quand on veut acheter sur une plateforme aussi bonne soit-elle comme celle de Cdiscount, on n'a pas la même expérience quand on est en B2B et qu'on veut acheter. L'expérience client n'est pas aussi fluide en B2B qu'en B2C. Et puis, l'autre problématique qu'on a essayé de traiter avec Celia, c'est vu du vendeur, vous avez à chaque fois une contradiction entre le fait de faire une croissance soutenue tout en maîtrisant vos risques. Et c'est là que Celia est intervenue pour répondre à cette double difficulté que rencontraient nos clients. Très bien. Vous avez une question pour nous? Ou alors je continue? Non, allez-y. Non, juste pour dire comment on a fonctionné, parce que je pense que c'est important. On est tous dans l'agilité, on aime bien monter des projets avec nos clients. Donc le premier client, ce fameux Joachim, je t'aime, je te passe le petit message, mais c'est vraiment quelqu'un qui nous a supporté tout au long de ce projet. Il nous a confié un portefeuille de clients, voilà, à peu près un millier, qui générait 24 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une région, voilà, puisque c'est un groupe qui fait 32 milliards au niveau mondial. Et il nous a dit, regardez ce que vous pouvez faire avec vos algorithmes. Donc notre algorithme, il permet de faire la balance entre l'ambition commerciale, celle de se développer, mais aussi en minimisant les risques. Alors, les chiffres sont assez éloquents, parce qu'en moins de 12 mois, il a réussi à générer sur ses 24 millions, 3 millions 6 de plus de revenus grâce à une aide qui est très, 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 très technique, mais aussi très opérationnelle pour les équipes commerciales. Et puis pour les équipes du crédit, de réduire leur risque, leur exposition, parce que ces algorithmes de dernière génération permettent d'identifier avec beaucoup plus de précision et moins de faux positifs pour ceux qui connaissent évidemment la gestion des risques. Et c'est moins 600 000 euros de risque sur le PNL. Donc succès garanti, ah, on a pu clair. Déployer la solution tout récemment sur l'ensemble des entités françaises. On attend évidemment les résultats et on déploie ces solutions chez d'autres de nos clients. Voilà. Très bien, bravo à tous les deux. Et je vous laisse prendre la photo. Pardon. À toi, Pierre-Henri. Alors, à moi, Pierre-Henri, pour le prix d'or, mais je ne vais pas faire grand-chose parce que je vais appeler Vanessa Choctaud, qui est la directrice générale,
et directrice accélérateur French IoT de DocaPost Institute. Membre du jury, bien sûr. Vous revient l'honneur, Vanessa, d'ouvrir, de mettre fin à ce suspense insensé en ouvrant l'enveloppe du prix d'or de cette catégorie. Alors, le prix d'or dans cette catégorie est décerné à Sia Partners et Ensoe pour la plateforme Prévision 2050 grâce à l'intelligence artificielle. Bravo à Sia Partners. J'appelle Pierre Leplatois, qui est partenaire Data Science chez Sia Partners, et son collègue Thomas Aurousseau, qui est Associate Manager Data Science de Sia Partners. Alors, qui se lance pour nous expliquer en 28 secondes. Quelques mots, ça va être trop court. Un petit mot rapide. On a une pensée pour notre client Ensoe qui a été bloqué en commission à Bruxelles, puisque l'Ensoe est basé à Bruxelles. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Ensoe, c'est l'association des transporteurs d'électricité en Europe qui veille à avoir une vision globale et anticipative à moyen et long terme des flux énergétiques sur la plaque européenne. Et donc on est intervenu avec Thomas et toute une équipe, on en parlera un petit peu plus longtemps tout à l'heure, avec Thomas, sur un outil qui va nous permettre de nous projeter dans le futur sur la consommation électrique. On entend souvent parler de transition énergétique et on sait que l'électricité va être fortement utilisée sur les usages de mobilité, sur le chauffage aussi. Et donc voilà, on a mixé une expertise énergie et data science ensemble, en coopération et en co-construction avec l'ensemble des R&D des transporteurs d'électricité européens. C'est 50 membres au total, donc un grand challenge en tout cas en face de nous. Et aujourd'hui, après 2 ans, c'est une plateforme qui tourne en 24/7 et qui permet de prendre des décisions sur des décisions d'investissement pour les interconnexions ou même à court terme parfois, on en a parlé tout à l'heure, on pense à l'Ukraine l'an dernier, connecter l'Ukraine à l'Europe, comment on fait ? Est-ce possible ? Des questions vraiment concrètes. Voilà. Alors Vanessa, en 2 mots, moi j'ai assisté à l'audition, on avait le client aussi. C'est vrai que c'était compliqué à comprendre, mais incroyablement stratégique comme mission. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet ? Puis on laissera Thomas. Nombreux jurys ont partagé déjà le fait qu'on ne pouvait pas être insensible à des projets contribuant à la transition énergétique, forcément, au regard de ce que l'on traverse actuellement. Ce qui nous a plu, c'était les alliances de plusieurs choses. Déjà, l'usage de l'IA, donc machine learning et réseau physique, très important, et vous l'avez vraiment déployé jusqu'au bout. Le fait d'être centré sur l'usage des professionnels, l'accès à la plateforme, il y a une ergonomie incroyable sur la plateforme. C'est dans des milieux industriels et R&D, c'est pas souvent le cas que l'on pense l'UX. Donc c'est ça qui nous a plu également. Et puis, troisième point, c'est l'écosystème mobilisé, parce qu'un projet d'envergure européenne qui mobilise les transporteurs d'énergie en tenant compte des spécificités forcément locales, réglementaires, juridiques, économiques, que l'on connaît bien, on sait très bien que c'est pas forcément aisé, et vous l'avez fait brillamment. Thomas, bravo. Peut-être un petit mot. Je pense que Pierre a déjà dit une bonne partie. Pour être un peu plus parlant, la plateforme aujourd'hui va permettre de répondre à des questions très, très prospectives, mais quand même importantes, qui sont, si on rajoute demain 1 million de pompes à chaleur en Allemagne, 10 millions de véhicules électriques en Espagne, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux électriques ? Est-ce qu'il faut investir ? Est-ce qu'on a des zones qui sont excédentaires et qu'il faut relier à des zones qui sont déficitaires ? Voilà, typiquement. Voilà, le monde est incroyablement compliqué hein, quand on voit tous les dossiers les uns après les autres et vos sociétés permettent de résoudre tout ça, trouver des équations, bravo. Je vais vous laisser prendre la photo. On les applaudit évidemment. On les applaudit bien fort. Même. Merci. Évidemment, moi je suis abonné au micro. Bien. Alors, on va passer à la catégorie impact social, sociétal et environnemental. Et oui, ça rime. Donc, dans cette catégorie, le jury récompense les avancées d'une entreprise ou d'une institution dans ces domaines. Et il n'y a pas de prix argent dans cette catégorie, mais 2 prix or ex aequo. Alors, pour remettre le premier prix or, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Hébert, directeur de centre d'affaires chez BNP Paribas. Alors, allez-y. Nous attendons avec impatience le nom du vainqueur. Le
premier prix or dans cette catégorie est décerné au groupe Zebra et Chamatex Group pour réindustrialiser la France par la coopérance. Très bien. Alors, pour recevoir ce prix, nous appelons Bertrand Barré, CEO du groupe Zebra, et Gilles Reguillon, CEO de Chamatex Group. Voilà. Alors, d'abord, Vincent, expliquez-nous ce qui vous a séduit dans cette réalisation. Alors, l'Ardèche qui défie l'Asie, comme on a pu le lire dans les articles de journaux, déjà, c'était un peu gagné. Mais après, on a fait votre découverte avec le pitch sur l'usine qui est, et toute la performance qui est déployée. Et on a aussi, je crois, beaucoup aimé la complicité entre vous. On a vu qu'il y avait une histoire peut-être un peu longue. D'abord, voilà, c'est ça. Donc on a bien senti tout ça, donc c'était incroyable. Et après, nous, on n'avait pas envie de le donner parce que je crois que vous avez énormément de prix, donc on s'est dit un prix plus, pourquoi ? Mais non, mais bravo, c'était une évidence, bravo. Très bien. Alors, Bertrand et Gilles, j'aimerais que vous m'expliquiez ce que signifie coopérance. L'un ou l'autre, mais bon, l'un en tout cas. J'attaque, je suis Bertrand. La coopérance, c'est la coopération au-delà de la concurrence. On travaille sur un schéma où tous les industriels de la chaussure de sport, puisque c'est le domaine qui nous concerne dans ASF 4.0, l'usine de Gilles, tous les fabricants fabriquent en Chine et, ou en Asie, en Extrême-Orient. Et en fait, dans les mêmes usines, mais sans jamais vraiment le dire. Donc la coopérance, c'est ça, c'est de se dire, si nous voulons réindustrialiser, si on veut repenser, relocaliser, je préfère réindustrialiser, il faut repenser le produit. Il faut surtout travailler ensemble et accepter que les concurrents coopèrent, travaillent ensemble. D'accord. Et c'est ça la coopérance. Et c'est le schéma qu'on a voulu installer. Vous n'êtes plus seulement des clients, vous êtes des partenaires et vous acceptez de partager vos secrets et sous la conduite d'un industriel. C'est ça. Alors Gilles, qu'est-ce qu'elle a de particulier, votre usine ? Qu'est-ce qui la rend irrésistible ? Je ne sais pas si elle est irrésistible. En tout cas, c'est une usine qui tourne en France, en Europe. Je crois que c'est la seule qui fabrique des chaussures de sport. Vous employez combien de personnes ? Aujourd'hui, on est une soixantaine. Mais on va passer en une troisième équipe. Là, donc, on va passer une 80 personnes à peu près. Et puis, il y aura peut-être des petits aussi qui vont arriver derrière. Non, ce qui est particulier, c'est que pour pouvoir relocaliser des produits de grande consommation qui sont partis depuis des années en Asie, il faut automatiser pour diminuer le nombre d'opérations. Et qui dit automatiser, dit investir. Qui dit investir, dit amortir. Donc du coup, on tourne en 3-8 et on va essayer de se rapprocher petit à petit du prix asiatique, sachant qu'il y a pas mal de paramètres, on va dire, géopolitiques qui petit à petit nous rapprochent de l'équation. Parfait. Écoutez, félicitations à nouveau. Bravo. Et, je vous laisse poser pour la photo. Pour la photo. Pierre-Henri. Alors, on va parler du... Attends, j'ai... On va parler du second prix or de cette catégorie. Et on va accueillir à nouveau Charles de BPI France qui va nous ouvrir l'enveloppe. Voilà, venez. Avancez-vous s'il vous plaît, on verra mieux. Donc le second prix d'or dans cette catégorie est décerné à Muse Partners et Bouygues Bâtiment France pour Cineo, facilitateur de l'économie circulaire du secteur du bâtiment. Voilà, et donc j'ai le plaisir d'accueillir Johanna Ferrière, qui est directrice de Cineo, Jean-Bernard Héronneau, qui est senior manager de Muse Partner, Violaine Lemaitre, qui est directrice marketing, communication et développement de Muse Partner. Puisqu'ils sont tous les trois là. Voilà, bravo à tous les trois. Alors Charles, qu'est-ce qui vous a séduit ? Qu'est-ce qui nous a séduit ? Parce qu'on était dans le même jury. T'étais dans tous les jeux. J'étais pas. Alors, ce qui nous a beaucoup plu, c'est votre motivation. Lors de la présentation de ce projet, on sentait que vous le viviez vraiment et concrètement. Et nous, ça fait grand plaisir de voir que vous défendiez tout ce projet. L'autre chose importante qui nous a marqué, c'est que ce projet, c'est une interaction
enfin, ce projet a permis d'illustrer une interaction apparente et constructive entre vous deux, donc entre l'entreprise et le conseil, et ça s'est marqué nettement à travers vos compétences respectives, bien évidemment, mais au service d'une innovation majeure, et je vous laisserai la détailler par la suite. Le troisième point, c'est une transformation majeure de l'écosystème du bâtiment avec des objectifs clairs et duplicables sur d'autres régions, vous allez nous expliquer pourquoi, et la capacité à fédérer tous les acteurs du bâtiment. Donc bravo encore. Merci. Bravo à tous les trois. Alors, deux mots, de quoi s'agit-il alors, Cineo ? Oui, alors bonsoir à tous. Alors Cineo, c'est... C'est assez simple, en fait, hein, finalement, puisque l'objectif, c'est de créer une économie circulaire à partir des matériaux issus de la déconstruction des bâtiments pour les réutiliser, finalement, dans la construction des nouveaux bâtiments. Donc, sur le principe, ça reste une image assez, assez simple. Et effectivement, c'est un projet qui est plutôt complexe, puisque ça nécessite, pour faire ça, d'impliquer un écosystème d'acteurs qui est très, très large. Mais là, je laisserai Johanna, après, préciser un petit peu ces éléments-là. Moi, je voulais en fait déjà profiter de ce moment pour profiter du prix et puis dire en quoi c'est important finalement pour moi et puis pour Muse. Le premier, c'est important parce que c'est l'occasion en fait de mettre encore un petit peu plus en lumière l'équipe Cineo, donc qui sont représentées là par Johanna et puis Marina. C'est une équipe qui est, à mon avis, un petit peu fatiguée ce soir parce qu'ils ont fait l'inauguration du premier centre technique aujourd'hui. Très bien. Donc c'est aussi une belle occasion finalement de montrer cette coïncidence entre le prix Syntec et puis l'inauguration et le premier jour de vie finalement de ce centre technique. C'est aussi l'occasion de saluer en fait tout cet écosystème d'acteurs. Il est très, très nombreux. On parle de Mobius, Tricycle, Textiflore, Westeriol, etc., etc. Parce que je crois que c'est plus d'une soixantaine de partenaires et puis d'acteurs du réemploi en fait qui sont impliqués sur ce projet à date. C'est-à-dire que demain, ils seront peut-être des milliers. Voilà, on l'espère. Et puis, c'est l'occasion aussi de donner quelques remerciements. Donc, le premier, c'est... il revient forcément à l'équipe Muse Partner qui a contribué à ce projet. On n'était pas très nombreux, mais quand même très, très impliqués. En tout cas, intellectuellement, on y a mis beaucoup d'énergie. C'est aussi important parce que Muse Partner, c'est un cabinet qui investit vraiment sincèrement en fait, sur les sujets RSE, globalement. Et donc, je pense que c'est un prix qui fait du bien, voilà, par rapport à ça. Et puis, le dernier remerciement, il revient forcément au jury qui nous donne cette opportunité, finalement, de parler de ce fabuleux projet Cineo. Voilà, voilà, alors, je ne sais pas, Johanna ou Violaine, ici, un petit mot. Je vous remercie et je te remercie, Jean-Bernard. Vous avez raison, c'est très bien entendu. On a partagé nos savoirs. Quand aujourd'hui, Jean-Bernard parle de Textiflore, je me dis que j'ai laissé un peu quelque chose. Donc, ce projet, on l'a imaginé en 2022. Ils sont venus en renfort nous aider à nous structurer et on l'a inauguré effectivement ce midi avec des dizaines d'acteurs qui vont produire sur le territoire la Vitry-sur-Seine. D'accord. Dans un site SNCF, on prend 3000 m² pour y animer des mini-usines du réemploi fédérées dans un écosystème où on peut produire, stocker, mettre en valeur ces matériaux avec une belle équipe. Marina, c'est la responsable du centre. Et on sera ravis de vous accueillir parce que tous, vous allez croiser à un moment donné le chemin de la circularité. Je crois que ce projet aura laissé des traces chez Muse aussi. Ok, allez. Merci beaucoup. Une grande journée donc, pour l'économie du bâtiment circulaire. Bravo. Merci. Hop, la photo. Alors, la prochaine catégorie s'intitule « Attraction, accompagnement et développement des talents actuels et futurs ». Vous l'avez compris, on va parler de RH, de ressources humaines. Donc, c'est le jury qui s'est attaché à travers cette catégorie à récompenser des projets qui permettent d'accompagner les clients dans ce domaine. Alors, et nous avons dans cette catégorie un prix Challenger qui est décerné à Next Move, Group Human and Work et InSleep Lab pour Incubator Programme. Voilà. Donc, pour recevoir ce prix, nous accueillons Romain Fina et Agnès Marotte. Romain Finas de InSleep Lab et Agnès Marotte de Next Move.
Next Move. Voilà. Chez Next Move, en deux mots, nous accompagnons effectivement les dirigeants à toutes les étapes importantes de leur carrière et notamment ce moment charnière qui est la transition. Donc la transition, effectivement, c'est de là qu'est né l'incubateur programme. Pourquoi incubateur ? Parce que c'est Next Move, c'est tout simplement un jeu de mots. Donc incubateur programme, qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement un processus itératif, un parcours de 4 mois qui vous permet pas à pas de construire un business plan pérenne et durable. C'est un constat que nous avons fait, puisque nous accompagnons effectivement 150 personnes par an dans ce cabinet, qu'il y a une vraie demande de la part des dirigeants pour pouvoir continuer à contribuer activement à la vie économique. Alors ces dirigeants seniors que nous sommes pour la plupart ici présents, n'est-ce pas, à partir de 50 ans, il faut bien continuer à travailler. Et donc l'incubateur programme s'appuie sur un double dynamique. D'abord une dynamique individuelle avec un coach qui accompagne pendant toute la durée du projet et la dynamique collective qui s'appuie forcément sur l'intelligence collective et aussi un écosystème d'experts qui nous aide à faire des choix raisonnés et surtout éclairés. Alors, depuis 2 ans, nous avons accompagné à peu près 40 porteurs de projets, 31 sociétés ont été créées et la promo actuelle que j'accompagne, il y a 14 personnes dedans, donc pour vous dire que la relève est assurée. Et je voudrais dédier, juste avant de passer la parole à Romain, ce prix à tous les futurs créateurs, puisqu'il y en a certainement aussi dans cette salle. Donc voilà, je les ai dans mon cœur et je trouve qu'effectivement c'est un bel accomplissement. Et je laisse la parole à Romain, qui a été il n'y a pas très longtemps au cœur de cet incubateur pour parler de son expérience. Alors Romain, dites-nous tout. Alors d'abord Agnès, merci. Parce que je savais qu'en rejoignant Next Move, on irait loin, mais alors aussi vite, je ne l'avais pas vraiment imaginé. Alors, pour vous donner une idée de 12 mois d'accélération chez Next Move, c'est tout d'abord l'opportunité de rencontrer des managers qui sont en transition professionnelle. En fait, vous avez accès à vos futurs clients, à des DAF, des DRH, alors c'est assez fantastique pour réaliser un business plan ou un pitch commercial. C'est tout un groupe d'entrepreneurs aussi, comme vous, des quinquas, des quadras, qui se lancent dans une aventure un peu folle. Et donc, c'est le partage d'expériences, c'est un peu le soutien au quotidien aussi. Et puis, après, il y a le coup de fil radio au camp de base, la météo, où est-ce qu'on en est. Ça, c'est le métier de coach d'entrepreneur. Et je remercie beaucoup Marie-Liès Morgaud ici, qui m'accompagne depuis un moment déjà. Alors, est-ce que vous voulez un mot sur InSleep Lab ou pas ? Of course. Bon. Alors, mon Everest à moi, c'est InSleep Lab. InSleep Lab, c'est un service médical à destination des entreprises pour gérer les risques liés à la fatigue et aux troubles du sommeil. Alors pour vous, manager, c'est vous transmettre des techniques qui sont utilisées par des sportifs de haut niveau, par des militaires, des pilotes d'avions de chasse, pour gérer la fatigue, le stress et surtout savoir récupérer en toutes circonstances pour rester performant tout le temps. Et ça, je pense que ça vous parle. C'est aussi une solution de détection par l'intelligence artificielle, un diagnostic médical pour les 20% d'entre vous, c'est-à-dire à peu près 40 personnes ici, qui souffraient d'un trouble du sommeil, sans le savoir en général, et qui du coup ne récupèrent pas bien. Et enfin, c'est un accompagnement individualisé, notamment pour les insomniaques, mais aussi pour tous les travailleurs nocturnes, notamment dans les usines, pour préserver leur capacité de récupération. Alors, si vous voulez rencontrer nos médecins, nos spécialistes du sommeil, InSleep Lab, merci. Merci pour le prix. Il a gagné une page de pub. Ouais, il est prêt. Avec Pierre-Henri, on passe vous voir tout à l'heure pour une consultation. On va vous laisser prendre la photo. Bravo à tous les deux. Alors, on va passer à une nouvelle catégorie qui n'est pas très éloignée de la précédente, puisqu'il s'agit de la catégorie Leadership et Management DRH. Dans cette catégorie, le jury s'est attaché à récompenser une stratégie ou une initiative d'une société de conseil ou d'études pour accompagner son client en termes de politique RH. 2 prix argent dans cette catégorie, Bruna. Oui. Le premier est décerné à M618 Consulting et Clariane pour le plan européen d'amélioration durable des conditions de santé au travail des collaborateurs Clariane. On accueille pour recevoir ce prix
Nicolas Monokanov, associé fondateur de M618, et Samantha Bowles, bonjour, DRH, groupe adjointe de Clariane. Alors, un sujet compliqué, encore une fois, comment est-ce que vous avez mené tous les deux ce plan ? Bon, d'abord, nos remerciements au jury. Et, on est très, très ravis d'accepter ce prix. Et j'accepte ce prix au nom de Clarien, au nom de tous nos collaborateurs et nos collaboratrices. Nous sommes, en effet, nous sommes 60 000 collaborateurs à travers sept pays pour lesquels ils travaillent en fait dans les cliniques de santé et dans les maisons de retraite. Et notre ADN et notre mission tous les jours, en fait, tout le monde, c'est de s'occuper des autres, des aînés, des personnes âgées et des personnes fragiles. Du coup, la notion de la santé et sécurité, dans notre ADN, en fait, c'est plutôt s'occuper des autres et presque pas assez s'occuper de nous. Clarien, il y a 3 ans maintenant, s'est lancé sur un trajet, un journey, de changer ça. En fait, d'installer une véritable culture de sécurité, santé sécurité au travail, à travers tous nos pays, en commençant par la France. Et pour accélérer cette ambition, nous avons en fait travaillé en étroite collaboration déjà avec nos partenariats sociaux pour signer 2 grands accords. Un accord en France et un accord à l'échelle européenne. Et comme vous savez tous qui travaillent dans les réseaux humains, une politique comme ça et des accords assez ambitieux, avec des engagements ambitieux, on va dire, il faut quand même montrer de manière très pragmatique, c'est ça, non ? Très pragmatique et de manière très chiffrée aussi, le progrès devant notre direction générale, bien évidemment, mais aussi devant nos partenariats sociaux. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on a lancé ce travail, cette équipe, et je te remercie, Nicolas, au fond du cœur, parce qu'effectivement, c'est Nicolas qui est venu nous voir en disant, voilà, c'est comment on peut faire. Donc, en gros, pour être court, avec les équipes de Nicolas, on a mis en place une véritable feuille de route qu'on a construit avec ton équipe, avec nos équipes, avec tous les responsables prévention dans tous les pays. Et on a mis tout ça en place via une plateforme numérique de choses de plus, en fait, une partie collaborative, parce qu'en fait, pour aller au mieux, il faut vraiment essayer de partager les meilleures pratiques. Ça, c'est possible via notre plateforme. Mais aussi, cette plateforme nous a donné la possibilité de mettre le pilotage de ce sujet dans les mains des managers de proximité. Merci et Samantha, merci beaucoup. Nicolas, peut-être un mot sur votre société, sur M618, et puis quelques secondes sur la plateforme, comment est-ce que vous l'avez conçue ? Est-ce que vous aviez un modèle ou vous avez complètement fait du sur-mesure ? Donc M618 accompagne les transformations et a un slogan qui est Management with Data. Et donc on s'attache à faire en sorte que les pratiques de management donnent lieu à des transformations qui soient mesurables. Et pour faire ça, on a innové, on a développé une plateforme qui est à la fois une plateforme collaborative dans laquelle les gens peuvent trouver l'information dont ils ont besoin sur le parcours de leur feuille de route et mettre leur solution locale, ce qui permet de partager les bonnes pratiques entre tous les sites et d'accélérer donc la transformation dans des sujets aussi complexes et aussi difficiles à attaquer que la santé-sécurité. C'est le genre de sujet, c'est un orchestre qui joue une note par semaine, donc il faut avoir une bonne partition. Et la deuxième chose, c'est que En mettant à jour en fait ce qu'ils réalisent, ils donnent une vision de pilotage extrêmement précise qui permet à la fois de modéliser l'avancement, de suivre, d'être très frugal dans le management, et d'autre part de partager en interne une vision très objective de là où ils sont sur des sujets complexes. En tout cas, bravo, c'est un enjeu stratégique pour le groupe vis-à-vis des partenaires sociaux, bien évidemment, mais aussi vis-à-vis du
nouvel actionnaire de référence, oui, qui est la Caisse des dépôts, qui porte un soin très particulier à ces questions. Oui, et juste la difficulté de départ, c'était de traduire un accord négocié par des syndicats de 87 pages en feuille de route opérationnelle que tous les collaborateurs pouvaient comprendre. Et donc, on les a associés à la rédaction de cette feuille de route. En tout cas, bravo d'avoir relevé ce défi à tous les deux. Je vous laisse prendre la photo. Alors, le deuxième prix argent est décerné à TNP Consultants et au groupe La Poste pour mes démarches administratives RH. Donc, pour recevoir ce prix, j'appelle Guillaume Hirschi, partenaire TNP Consultants, et Martial Pasco, directeur de la transformation RH du groupe La Poste. Bienvenue. Bien. Voilà vos prix. Alors, je vous invite l'un et l'autre à me parler de ces démarches administratives et RH. Alors, ce programme, mes démarches administratives RH, c'est un programme de simplification des processus RH, de leur digitalisation et de leur automatisation en back-office. Donc, c'est un programme pluriannuel. On l'a démarré en avril 2022. Il couvre les 200 000 collaborateurs du groupe, les RH et leurs managers. Et depuis avril, on a pu ouvrir déjà 114 services. Et donc, TNP nous a accompagnés, d'une part, pour poser une vision et une trajectoire de ce programme, et d'autre part, construire une stratégie de digitalisation, car le tout, ce n'est pas de construire ou de développer des outils performants, surtout en RH, il faut accompagner la transformation des usages, notamment des usages numériques. Et nous avons travaillé cette stratégie de conduite du changement. Aujourd'hui, on a livré nos premiers services en février 2023 et on tourne aujourd'hui déjà avec 120 000 demandes par mois. Voilà, c'est une belle réussite et en tout cas un très grand merci à Guillaume et à toute l'équipe TNP qui nous ont accompagnés. Alors Guillaume. Merci Martial. Bonsoir à tous. Déjà merci donc au Syntec pour le prix. Merci Martial pour la confiance qui a été donnée au travers de ce projet. Donc effectivement, nous, TNP, on s'est positionné sur les cas d'usage, ça a été évoqué, vraiment une approche par l'usage, notamment sur l'expérience collaborateur, donc toute cette digitalisation. Et notre volonté dans la pratique d'opérer au sein de la Poste, ça a été d'une part d'apporter un éclairage sur comment on pouvait apporter des usages rapidement avec des gains au niveau des collaborateurs, donc vraiment le postier, qu'il soit sur un corner bank ou qu'il soit directement sur un bureau de poste, et ensuite d'en tirer le bénéfice avec une approche d'adoption. Donc des plateformes digitales sont en place, existent. Le tout est de pas juste se cantonner à une transformation basée sur l'outillage, mais bien d'y apporter cette valeur que le collaborateur attend dans une simplification du parcours et dans un éclairage avancé de tout ce qu'il est capable de faire seul, sans s'appuyer sur tout un ensemble de services dans un environnement complexe, puisque la Poste, c'est un maillage territorial très fort avec une organisation multicouche. Donc on a été très fiers d'accompagner Martial sur le sujet. Je remercie également toute l'équipe qui est intervenue, que ce soit à côté de la Poste avec Guillaume Lacombe, mais également Gwenaëlle, Estelle, Apolline, toute la team qui est intervenue. Merci à tous. Bravo. Et je vous laisse diriger vers le photographe. Alors, nous allons maintenant remettre le prix or. Et pour cela, je demande à nouveau à Véronique Dubois, directrice de la communication de l'APEC, de me rejoindre. Hop, c'est bon, Véronique. Rebonsoir. J'ai été désignée d'office sur la catégorie leadership et management des RH. L'APEC s'occupant de l'évolution professionnelle des cadres et des managers notamment. C'était à moi de remettre ce prix. Le prix or dans cette catégorie est décerné à SIA Partners et SNCF Réseau pour le bon réflexe. Bien, alors pour recevoir ce prix, j'invite Sébastien Vernède de SIA Partners, Eric Faure de SNCF Réseau et Agathe Baudin de SIA Experience à nous rejoindre.
Alors, Véronique, restez avec nous et expliquez-moi pourquoi vous avez primé cette réalisation. Alors, donc, tout à l'heure, on a compris qu'InSleep Lab réduisait donc les problèmes d'insomnie des managers. C'est vrai que les problématiques des managers sont plus complexes aujourd'hui dans un environnement qui évolue, qui est plus incertain. On a beaucoup apprécié la démarche de SIA et des SNCF Réseau parce qu'on connaît, je dirais, l'importance ou le côté essentiel d'un dialogue social de qualité dans les entreprises. Puis si bientôt, c'est aussi le départ pour les fêtes de Noël et de fin d'année, si on peut éviter quelques soucis, désagréments de transport. Donc on a voulu récompenser un outil de formation. Un appui au dialogue social, c'est un jeu, donc ce n'est pas forcément facile non plus, d'avoir une approche ludique à la SNCF Réseau où on peut comprendre que le dialogue social a besoin d'être de qualité. Et donc c'est cette démarche qui en plus a apporté ses fruits qu'on a voulu récompenser ce soir. Donc bravo à vous deux. Merci Véronique. Je passe la parole à Sébastien, Éric et Agathe. Merci pour ce prix. Effectivement, quand on s'attaque au sujet du dialogue social à la SNCF, ça ouvre en fait des champs d'espoir. Et en fait, je lis dans vos yeux un peu tous, pourvu qu'ils réussissent. Et au-delà de l'humour, en fait, on a plusieurs. Le contexte dans notre entreprise, en fait, est un contexte de transformation, de modernisation de notre entreprise. Et en particulier à SNCF Réseau, on a des sujets comme l'externalisation et l'industrialisation à traiter. Et dans un contexte, en fait, de modification, en fait, de l'architecture du dialogue social, qui a un peu éloigné les instances du terrain, et donc en fait un déficit de parole et de dialogue en fait au niveau des établissements, au niveau terrain. Là-dessus, on est parti en fait, comme toujours en fait, ce sont souvent les idées simples qui réussissent le mieux. On a eu un cahier des charges qui était relativement en cours qu'on a soumis à SIA et à SIA Experience. Et en fait, ils nous ont apporté cette réponse. On voulait que ce soit un outil ludopédagogique. En fait, on retrouve la combinaison de plusieurs facteurs de réussite. Le premier, un outil ludopédagogique, c'est-à-dire un jeu. En fait, vous le savez tous, en fait, on ne forme plus les gens comme on les formait il y a quelques années. Et donc, en fait, en passant par le biais de quelque chose de plus ludique, on a beaucoup plus de chances de réussite. Et ça fonctionne. Le deuxième facteur de réussite, c'était d'impliquer en fait le terrain. Et donc toutes les situations qui sont données en fait dans ce jeu, c'est un jeu avec 21 mises en situation, ce sont des choses en fait qui parlent au terrain, qu'ils vivent tous les jours et en fait qui suscitent leur intérêt forcément, puisque en fait ils se disent bah tiens, quelqu'un peut m'aider en fait à résoudre les problèmes que je peux avoir au quotidien. Et le troisième facteur de réussite, je pense, et c'est là que en fait, l'aide de SIA Experience a été importante, c'était de donner en fait, de la méthodologie de résolution de problèmes. En fait, sans s'en apercevoir, en fait, la personne qui joue avec ce jeu développe en fait, une compétence en matière de traitement des irritants et de résolution de problèmes. Et déjà, ça, en fait, c'est un gros facteur de réussite. Très bien, merci. Je passe la parole au représentant de SIA. Merci au Syntec et merci à Eric pour ce témoignage. Je vais être assez rapide, mais chez SIA Partners, on a la conviction que notre métier il se transforme aussi, comme les entreprises qu'on accompagne. Et qu'une des clés de cette transformation, c'est l'hybridation de notre métier classique de conseil avec d'autres disciplines. On l'a vu avec Pierre et Thomas tout à l'heure avec la data science. Et dans ce projet-là, on a mobilisé l'expertise d'Agathe en créativité et design. Et c'est ça qui a apporté beaucoup de force, je pense, au dispositif. Que plutôt que de se dire on a 8000 managers à former, on va faire un e-learning, d'apporter d'autres compétences et une approche différente de la formation pour avoir beaucoup plus d'impact. Alors, est-ce que vous avez un exemple précis d'un truc qu'il y a dans le jeu, une situation irritante auquel peuvent être confrontées les 8000 personnes qui utilisent l'appli? Oui, alors il y en a une qui a été un peu notre chouchoute pendant tout le long du projet, qu'on appelle Radio Ballast. Qui est en fait le fait d'avoir une rumeur qui se répand dans l'organisation de manière au début juste
un coup de fil à la machine à café, et puis en fait qui va très vite se répandre et qui va prendre des dimensions assez impressionnantes et qui finalement peuvent avoir des impacts assez importants dans l'organisation. D'accord. Et alors, on fait quoi ? La rumeur, elle est commentée, elle est stoppée ? Enfin, c'est... Non, parce que ça peut être utile dans plein d'autres circonstances. Et bah, effectivement... Comment on la traite avec humour ou pour la désamorcer ? Je ne sais pas. Et effectivement, c'est tout l'enjeu aussi du dispositif qu'on a co-construit ensemble. C'est dans un premier temps, effectivement, de venir capter toutes les clés et de venir en fait essayer de les comprendre en les analysant. Donc, dans la boîte que vous voyez affichée, on a tout un canevas d'analyse qui permet, en quelques questions, en fait, de venir bien comprendre quelle est la problématique terrain face à laquelle le manager est confronté. Et puis après, dans un deuxième temps, et toujours collectivement, à venir en fait apporter une résolution à cette problématique. Donc nous, aussi, pour des temps contraints, etc., on a favorisé plutôt 3-4 types de résolutions, comme la plus simple, mais qui n'est pas toujours la mieux faite, c'est la communication, la mise en place d'un plan d'action, ou alors aussi de la base de la négociation, tout simplement, qu'on va pouvoir mettre en place pour... stopper la rumeur et faire une organisation qui vit mieux. Félicitations. Très bien, bravo. Nous vous laissons prendre la pause photo. Pierre-Henri. Alors, on va passer à la dernière catégorie. C'est celle de l'engagement client. Avec un prix argent dans cette catégorie qui est décerné à Bartels et à Cora France pour la transformation des parcours clients encaissement dans les magasins Cora. Donc bravo à tous les deux. J'accueille Jean-Christophe Marboutin qui est associé chez Bartels et Gilles Schneider, directeur général de la transformation de Cora France. Alors, en quoi le parcours client aux caisses de Cora a changé ? Eh bien, on a lancé un grand plan de transformation de l'entreprise et on a décidé de s'attaquer à un irritant majeur qui est l'encaissement et avec une ambition forte qui est celle d'en faire un avantage concurrentiel. Donc on a ciblé trois objectifs. Le premier, c'est d'améliorer le parcours client, réduisant l'attente en caisse, en proposant cinq modes d'encaissement différents. On avait un deuxième objectif qui est d'améliorer l'expérience collaborateur en améliorant le confort de nos hôtesses de caisse et en réduisant les sources de stress. Et un troisième objectif qui est d'améliorer l'efficience de l'encaissement et tout en conservant l'emploi des hôtesses dans l'entreprise. Et c'est grâce à ça qu'on a obtenu à la fois un accord de nos IRP pour déployer ce projet et un accord de nos actionnaires, naturellement, pour le mettre en œuvre dans un temps qui est relativement record, puisque grâce à une collaboration exemplaire entre les équipes Bartels, experts métiers Cora et support, on a lancé le POC à l'automne 2022, 8 pilotes cette année, et on le déploie à partir de l'année prochaine dans l'ensemble du groupe. Et j'espère bien qu'on arrivera à le vendre à nos futurs grands actionnaires. Merci Jean-Christophe Marboudin. Deux mots sur Bartels et puis sur cette mission en particulier. Dans Bartels, on est un cabinet qui accompagne nos clients dans leur projet de transformation. Et en l'occurrence, on est vraiment sur un vrai projet de transformation puisqu'il inclut plusieurs ingrédients. On a commencé avec de la data, de l'analyse quantitative, un algorithme d'optimisation. On a ensuite travaillé de façon beaucoup plus pragmatique en lien avec le terrain. Sur que ce soit d'un point de vue client avec les parcours clients ou d'un point de vue collaborateur avec les processus. On a évidemment travaillé sur la partie technologie, on parle d'encaissement, donc de différents matériels d'encaissement qu'il a fallu interfacer évidemment avec les systèmes d'information. On va parler de design aussi, on a dessiné sur plan les futures zones d'encaissement, les nouvelles signalétiques, etc. C'est aussi un sujet crucial de ressources humaines, puisque comme l'a dit Gilles, il y a un sujet de productivité, mais tout en conservant l'emploi. Et puis, bien entendu, il y a de la conduite du changement, il y a de la gestion et du pilotage au quotidien de ce projet-là. Voilà, mais tous ces ingrédients, ce n'est pas la recette. Je pense que, comme beaucoup de projets aujourd'hui qui sont primés, l'important, c'est le collectif. Et on a véritablement eu une équipe soudée, Cora, Bartels,
une véritable implication de toutes les parties prenantes sur ce projet. Et évidemment, le sponsorship et l'engagement de la direction de Coram. Eh bien, bravo à tous les deux. Bravo pour ce prix. Alors, nous allons maintenant décerner un prix or dans cette catégorie. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Danet, qui est président du groupe Influencia et qui a animé les débats entre les membres du jury. Vous en étiez de ce jury, Pierre-Henri ? Ah, j'en étais, oui. C'était même chez lui. Ah, très bien. Bienvenue, Sébastien. Bonsoir. Bien, vous avez l'enveloppe. J'ai tout. Formidable. Alors, dites-nous. Alors, le vainqueur dans cette catégorie, le prix or est décerné à BNP Paribas, accompagné par Frog de Capgemini pour le projet Mobility for You. Very good. Alors, pour recevoir ce prix, nous attendons Aude Sarad Loucher de BNP Paribas et Nicolas Pellan Armano de Frog, part of Capgemini Invent. Alors, Sébastien, expliquez-nous pourquoi vous avez primé cette réalisation. Alors, tout simplement. Assez vite, on a été assez impressionnés dès le dossier par l'ampleur du projet, puisqu'en fait, il s'agit de réunir dans un groupe comme BNP Paribas plein de divisions différentes, plein de structures différentes qui doivent travailler ensemble, donc aussi bien le métier d'Arval, le métier de la banque, le métier du financement, et ainsi de suite. Et quand ils ont en plus pitché, on a été, je dirais, définitivement convaincus par la qualité du projet, parce qu'effectivement, en termes de parcours client, vous pouvez absolument faire ce que vous voulez en termes de mobilité. Vous pouvez emprunter pour acheter une voiture, vous pouvez la louer en LOA, vous pouvez la louer en LLD, vous pouvez avoir plein de mobilités différentes, vous pouvez prendre une voiture, un vélo. Enfin, un certain nombre de choses. Et donc, le projet nous a paru être une vraie performance, à la fois au sein de BNP pour faire travailler tout le monde ensemble, et évidemment avec l'accompagnement du cabinet, parce que c'est une vraie innovation, une vraie transformation. Très bien. Aude et Nicolas, un mot sur ce prix. Bien, merci beaucoup. Que dire de plus par rapport à ce que vous avez dit? Mais effectivement, en 6 mois, on a créé cette plateforme Mobility for You pour accompagner nos clients BNP Paribas dans leur projet de mobilité en leur proposant des véhicules d'occasion, des véhicules neufs, de la mobilité douce, leur financement et leur assurance. L'engagement et la satisfaction client a été notre fil rouge tout au long de ce projet. Mais c'est aussi le succès d'une squad pluridisciplinaire qu'on a créée en mode agile, où on a réuni plusieurs entités du groupe, donc Arval, Personal Finance, notamment pour le sourcing de véhicules et les financements. On a mis aussi Cardif pour l'assurance. Donc voilà, le succès a été grâce à cette squad pluridisciplinaire et puis notamment grâce à l'accompagnement des équipes de Frog qui nous ont apporté leur expertise et puis qui nous ont permis de piloter ce projet. Nicolas. Merci Aude. C'est vrai que Mobility for You, pour nous, chez Frog et chez Capgemini Invent, c'est l'archétype du projet qu'on adore pour plusieurs raisons. Le premier, c'est qu'on vous a accompagné de la phase de stratégie au lancement sur le marché. Et donc, pour nous, pour tous les collaborateurs qui travaillent chez Frog, il y a un sens de la réalisation, d'accompagner un vrai projet qui va sur le marché. Le deuxième, c'est qu'on a beaucoup débattu ensemble. On a vraiment formé une équipe. Au début, il y avait une équipe de consultants, puis des collaborateurs BNP Paribas de plusieurs filiales. Et à la fin, il y avait un collectif. On a innové ensemble, on a débattu la proposition de valeur de la plateforme, les fonctionnalités différenciantes, la méthodologie à chaque étape sur comment est-ce qu'on allait pouvoir embarquer une organisation aussi large. Et aujourd'hui, je suis seul sur scène pour représenter Frog, mais Clara et Diane sont là. C'est plus de 15 personnes chez Frog qui ont contribué à ce projet. C'est des stratégistes, des product managers, des designers, des consultants techniques, des développeurs. Donc en fait, on a toutes nos compétences qui sont réunies au service de la création de cette marketplace. Et c'est un super projet de collaboration. Merci à vous pour ce prix. Mais c'est surtout le début pour Mobility for You. Il y a encore une longue route devant vous. Eh bien, on vous souhaite d'autres routes ensemble. Bravo. Et je vous invite à prendre la photo.
Bien, alors maintenant, c'est le Grand Prix 2023. Et c'est malheureusement, moi je pleurerai bientôt, c'est la fin de cette cérémonie. Donc j'invite sur scène absolument tous les membres du jury qui sont présents ce soir pour venir remettre avec nous ce Grand Prix. Voilà. Avancer un petit peu sur scène. On se met au milieu, nous. Comment on fait? Ou alors sur le côté. Sébastien, très bien. Alors avant de d'ouvrir l'enveloppe, ne vous battez pas. Avant d'ouvrir l'enveloppe, j'aimerais que vous nous disiez si finalement il y a eu consensus entre vous pour désigner le grand vainqueur. Il y a eu débat. Ah, il y a eu débat. OK. Hein, on peut dire ça comme ça. Ouais. On a beaucoup discuté. Oui. Parce que tous les prix, évidemment, sont de qualité. Mais ils avaient tous l'or, hein, on rappelle. Oui, c'est pour ça. Voilà. Et il a bien fallu en choisir. Voilà. Donc ça a été du 50-50 ou, enfin, ça s'est joué à une voix ou il y avait quand même... Non, je crois qu'il n'y avait rien de très mathématique. On n'a pas fait des notes, des moyennes. Si, on a, à un moment, on a fait quand même. Okay. Non, mais après, il y avait un consensus. On était quand même à peu près tous d'accord. Après, c'était plutôt une évidence. Allez, on ouvre l'enveloppe. Eh bien, le Grand Prix Syntec a été attribué au groupe Zebra et Chamatex Group. Bravo. Oui, on les applaudit. Alors, j'accueille sur scène, on les a déjà vus. Bertrand Barré. Et Gilles Réguillot. Alors, on les a déjà vus tout à l'heure, ce couple incroyable, ce duo. Alors, moi, j'avais une question, c'est que vous êtes, Gilles, couvert de prix, hein, vous êtes un des héros du Made in France, du retour d'Asie, de tout ça, de la relocalisation, tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que ça vous fait, tous les deux, d'avoir ce prix Syntec? Est-ce qu'il y a une signification particulière? Alors, c'est vrai que... C'est bon? Ça marche? Ouais. Voilà, ça marche. C'est vrai qu'on a été récemment récompensé. Personnellement, la récompense d'il y a 15 jours, c'était l'usine de l'année au niveau de l'usine nouvelle, m'a énormément touché parce que je suis industriel. Ce prix me touche aussi, mais je le partage encore davantage avec Bertrand, parce qu'on a démarré cette société ensemble, on s'est associé ensemble. C'est une aventure qu'on mène ensemble. On en avait une avant, on en a encore deux depuis ensemble. C'est vraiment une histoire de deux sociétés qui sont complémentaires, de deux patrons qui sont complémentaires. Et ensemble, on a réussi à tracter avec nous des tas d'autres entreprises de notoriété, des marques de sport, des grands industriels. Je peux citer Salomon, Millet, Babola, des marques de sport, des industriels, Siemens, Bosch, et j'en oublie certains. Des financiers également à nos côtés, des banques qui nous suivent. Et je pense que sans cette association et cette force que l'on déploie ensemble, on n'y serait pas arrivé. Bertrand, peut-être deux mots sur le groupe Zebra, parce qu'on ne connaît pas forcément. C'est déjà une vieille petite entreprise de groupe Zebra. On a créé ça il y a 35 ans. Effectivement, personne ne nous connaît, mais on conçoit, par exemple, tous les produits de Babola dans le tennis, les produits de Rossignol dans le ski. On travaille énormément pour des entreprises comme Michelin, EDF, la SNCF, ce que j'ai croisé là. En fait, nous concevons de l'offre innovante. Notre métier, c'est organiser la performance de l'offre par l'innovation et le design. Donc on est caché sous les marques. Vous avez chez vous, j'espère, des brosses à dents à ventouse pour vos enfants et petits-enfants. C'est des brevets à nous. Vous avez l'ascenseur à cornichons qu'il y a dans les pots. C'est des brevets à nous, ouais, des produits aussi. Mais c'est la raquette de Nadal, c'est le vélo, c'est les vélos de course de la FDJ. Voilà, on travaille partout dans le monde. C'est une petite entreprise, 50 personnes, pour des énormes boîtes, mais on est caché derrière les marques. Notre métier, c'est innover, dans le service ou dans les produits.
Et dans les chaussures de sport, on en fait depuis 20 ans pour beaucoup de grandes marques. On conçoit des chaussures de sport. Et je vais raconter un peu l'histoire parce que c'est comme ça. On conçoit des chaussures de sport qu'on amène forcément depuis 30 ans à la fabrication asiatique. Et un jour, pour Babola, Gilles était déjà notre client dans d'autres domaines. Et en tout cas, pour Babola, un jour, on s'est dit qu'il faut qu'on arrête d'aller concevoir les chaussures pour et par l'Asie. Et si on allait voir un des grands spécialistes du textile technique, des tissus techniques en France, et qu'on arrivait à reconcevoir ce qu'on appelle la tige, c'est-à-dire le dessus de la chaussure, la partie textile, si on arrivait à la reconcevoir d'une manière beaucoup plus technologique, automatisée, pour pouvoir remplacer ce qui est fait en 20 ou 30 pièces par 500 ou 1000 Chinois en une seule pièce, par de l'automatisation en Ardèche. Il a relevé le défi, parce que c'est un jeune homme qui commence quand même à être plus vieux que moi, mais non. Il a relevé le défi de réussir ce pari. Ça s'appelle le Matrix aujourd'hui, ce tissu. Il est utilisé par les 25 plus grandes marques de sport au monde maintenant, sport performance. Les chaussures sont faites comme cela. Mais le vrai défi qu'on s'est fixé après, parce que nous, dans une boîte d'innovation, on a 180 brevets, j'ai pas dit ça tout à l'heure, on est souvent payé au résultat. Parce que, évidemment, ça ne marchera jamais. Et puis, c'est cher, l'innovation, parce qu'il faut mettre effectivement du marketing, des ingénieurs, des designers, tout meubler, tout ça. Donc, parfois, ça peut coûter. Donc, on est, depuis de nombreuses années, payé au résultat. Mais aussi, on essaye des techniques qui sont différentes, qui sont d'aller s'associer. Et là, on a dit, OK, challenge du Matrix réussi, il faut faire mieux. Il faut ramener les chaussures. Il faut ramener la production complète. Personne n'y croyait. Donc, on a monté une boîte à deux. Et on a, avec nos petits pieds, on a avancé. Il se trouve que nous avons des clients en commun, comme Salomon, Babola, Millet. Et la coopérance dont on parlait tout à l'heure a permis de se dire, OK, on va amener des fournisseurs, des Siemens, des Bosch, concurrents. On va les amener à travailler entre eux pour automatiser, revoir tout le processus industriel de l'usine. On va amener ces marques à travailler entre elles. Pas toujours évident, bien sûr, mais à partager leur savoir-faire, ce qui, en réalité, elles font parfois en Asie, hein, sans le dire. Donc on a ramené tout ça, et cette méthodologie de coopérance a amené un re-engineering complet du produit, de la production, et le partage de tout ça fait qu'aujourd'hui, voilà, on produit pour ces trois marques-là, d'autres arrivent, et effectivement, l'aventure ne fait que commencer, puisque d'autres usines arrivent maintenant. Le but pour nous, en tant que Zebra, c'est de concevoir une usine comme un produit et de pouvoir la dupliquer maintenant. On fait du local to local, l'inverse du schéma industriel, fait depuis 30 ans, des gigafactories ailleurs. Maintenant, on va faire des, pas giga et pas mini, mais des belles factories partout où les gens achètent. Méga. Ah, bravo. Voilà. Bravo. Alors, on va mettre du bout. On va prendre une photo. Oui, on va clôturer évidemment cette quatrième édition du Grand Prix Syntec en accueillant également sur scène David Mahé, président de Syntec Conseil. Si vous voulez rajouter quelque chose, c'est le moment. Déjà, vous dire le plaisir que c'est, la fierté que c'est de présider cette belle organisation, parce qu'on a vu toute l'énergie, tout le talent, toute la valeur ajoutée de notre profession aujourd'hui. Alors, j'ai beaucoup aimé notamment l'alliance entre nos clients et leur cabinet. Certains ont parlé d'amour, d'autres ont parlé de passion. En tout cas, visiblement, nos clients prennent autant de plaisir que nous à faire des projets ensemble. Ensuite, j'ai observé qu'il y avait pas mal cette année de gagnants qui étaient issus du secteur public. Alors, c'est assez cocasse, comme en ce moment, le conseil dans le secteur public fait la joie des parlementaires et nous amène de temps en temps à quelques débats un petit peu animés. Ben, visiblement, on a quand même montré que nos cabinets sont utiles à la fonction publique et au secteur public. Et j'espère que dans quelques semaines, quand au Parlement, on pourra en parler, les parlementaires seront sensibles à ça. Troisième point également, c'est que les sujets d'innovation et de transformation n'ont d'intérêt que si on a réellement un impact et un poids en termes de progrès sur la société, sur l'économie, sur l'entreprise. Et on a vu aujourd'hui que notre profession avait évidemment une très, très grande valeur ajoutée pour transformer positivement les entreprises, la société, le monde, etc. C'est vraiment formidable. Autre point également, c'est l'énergie, c'est les talents, c'est la passion qui nous anime. C'est quand même une très belle profession, on fait un job formidable. C'est important aussi qu'on le fasse savoir auprès des candidats, auprès d'un client, pour valoriser finalement le plaisir qu'on a à exercer ensemble ce job, à la fois avec beaucoup de talent, d'intelligence collective,
On a vu aussi que c'était un métier qui se mixait avec à la fois de la technologie, à la fois de l'ouverture sur le monde, à la fois une conscience aussi de participer finalement au bien commun. Et puis pour terminer, je fais un message optimiste que je voulais vous passer. On vit une période qui est assez morose, que ce soit dans l'actualité géopolitique, économique, etc. Et on voit bien qu'on a au sein de la profession des leviers pour faire face à ces défis, pour aider nos entreprises, aider nos clients et à relever justement les défis, que ce soit les défis de la technologie, les défis de la souveraineté économique, les défis aussi des services. Donc merci à tous de votre formidable travail. Bravo aux gagnants et aux autres d'avoir participé à ce Grand Prix Syntec Conseil. C'était une très belle édition. Je vous fixe rendez-vous l'année prochaine avec, j'espère, encore d'aussi beaux projets. Merci aux membres du jury, merci à tous les participants. Et maintenant, je vais vous inviter à boire un coup. Alors, avant, si je peux me permettre, on veut faire la traditionnelle photo de fin. Et donc, j'invite les lauréats, tous les lauréats, à se joindre à nous sur scène avec leur trophée, bien évidemment. Juste, je vous précise que vous pourrez retrouver le palmarès dans Challenge, le magazine Challenge, la semaine prochaine, et sur le site internet, ainsi que le replay.